essayer de rattraper ma journée toute pourrie d'hier et je vous emmène faire un tour dans le désert des Bardenas. C'est toujours en Espagne. J'ai de la chance parce que ça fait 3-4 jours que je suis là et tous les jours il y a un gros brouillard. Et là aujourd'hui je devais partir d'ici. J'allais de l'autre côté du désert, à Pisquera je crois que ça s'appelle. Le GPS m'a fait repasser en plein milieu du désert, j'étais déjà venue ici. Et du coup, vu qu'il fait super beau, j'en profite pour me promener. Alors les sentiers de randonnée, si on peut appeler ça, sont super difficiles à trouver. Il y a un panneau au départ, après c'est plus balisé. Et je pensais que je m'étais trompée parce qu'en fait on est un peu dans le lit d'une rivière encore une fois. On voit que même au milieu il y a encore le petit ruisseau. Donc je comprends pas trop. Franchement quand il pleut, ben, il n'y a plus de sentier de rando. Je me rendais pas compte à quel point en France on était super safe quand on faisait de la randonnée. Tout est super balisé. Il y a des cartes des sentiers sur internet, on les trouve hyper facilement. Avec les points détaillés, les repères visuels en fait qui sont écrits, détaillés. Et je sais pas, pour l'Espagne je trouve ça super difficile de randonner. Et de trouver des sentiers officiels, balisés et tout. Donc c'est parti. On peut me dire si ça c'est normal? Je sais pas, enfin il y a des gens pour qui jeter son truc là c'est normal et une fois qu'on voit ce tas là on continue à jeter, c'est normal? Franchement, mais que je croise pas des gens qui font ça parce que ça va pas être possible. On est là, c'est merveilleux. Ça c'est une maison qui a quand même un passif historique et le seul petit endroit qui est ouvert. On jette ses canettes et ses bouteilles? Non, moi je comprends pas, faut m'expliquer. Je me rends pas bien compte, je suis dans le désert. Je vais faire une randonnée avec mon chat. Tenter une nouvelle expérience. Iris en avait marre de me suivre. J'ai croisé des promeneurs qui retournaient au parking qui était à 5 minutes de là où on était, le même parking que où je suis garée. Et Iris a commencé à les suivre. Elle voulait plus trop avancer, elle commençait à flipper. Donc je les ai laissés ramener Iris jusqu'au parking. A priori, elle a suivi parce que là, je les vois d'ici en fait. Ouais, c'est bon, elle est sous le camion, je pense. Merci! Merci, au revoir! Donc je disais que Iris était partie au camion avec des étrangers et ils viennent de me crier au loin, là on voit le camion qui est juste là. Et ils viennent de me crier que c'était bon, qu'elle était bien retournée se cacher sous le camion. Je savais qu'elle allait faire ça quand elle a commencé à les suivre, je m'en doutais. En fait, je le répète, mais le tout c'est de connaître ces animaux vraiment super bien. Et je savais que là, dans son comportement, elle était en train de miauler super fort, genre « Maman, ça va pas !»
et à retourner en arrière, je savais qu'elle voulait retourner au camion. Et quand j'ai vu qu'elle commençait à les suivre et qu'eux aussi allaient là-bas, je leur ai donné son prénom. Je leur ai dit que c'était Iris. Ils avaient compris de toute façon, puisque ça faisait 3 heures que je l'appelais, qu'elle était descendue dans le canyon. Et du coup, elle les a suivis. Elle est retournée au parking avec eux. Elle s'est planquée sous le camion quand eux, ils ont démarré. Et puis voilà, moi, je peux continuer. Et puis, je vais aller là-bas, le refuge qui est derrière la touffe d'herbe là-bas. Donc, je passe par la plaine. Je suis avec Litchi, la brailleuse. Elle aussi, elle a envie de rentrer déjà. Bah, viens, on y va. On va se promener, mon cœur. Je sais pas ce qu'elle a. Elle a perdu son chat, elle veut rentrer. Quand on va pas se promener, elle veut aller se promener. Quand on y va, elle veut rentrer. Allez, on va jouer. Tu donnes ton bâton? Tu laisses? Alors Iris, t'étais rentrée toute seule? Regardez-moi ça. Rafiki dans le désert. Si on n'est pas bien là. Et ce petit coucher de soleil sur les montagnes. C'était une belle journée. Marie voyage dans Rafiki. Avec Morphée, Iris et puis Litchi.